un parc, une forêt urbaine composée d'une chênaie et de friches, et puis aussi de grands espaces ouverts comme les grandes prairies et la clairière. Et tout ça, c'est à la fois ce que le lieu contenait de potentiel, de beauté, de dynamique vivante. Et puis, c'est ce qu'on en a fait avec. Le chantier va se terminer, mais c'est tout le début du parc qui va démarrer. Bien sûr, on va livrer un parc qui est encore fragile, donc il va y avoir des pelouses qui ne sont pas encore terminées. Il y a des plantations qui vont être poursuivies et finies à l'automne. Ce qui est important pour les gens qui vont rentrer dans ce lieu, c'est qu'ils soient sensibles à la beauté des dynamiques vivantes qui sont à l'œuvre. Il faut poser un regard à la fois de contemplation, de curiosité, mais d'amabilité, de respect aussi envers la nature.